Electrochic est un festival de musique électro, l'occasion de mettre en lumière de jeunes artistes. Nous avons suivi 4 d'entre eux. Regardez. Moi, c'est DJ Mesh, je viens de Nantes, dans le 44, et donc je fais de la musique depuis 12 ans. Alors moi c'est David Derencourt, aka MMH, je viens de Lille et je fais de la musique depuis 15 ans. Moi c'est Markovitch, bonjour Fabrice, aka Fabrisca, et de la scène ensemble en tout cas, c'est une première. Ce sera la première fois effectivement cette fois-ci. Alors, je m'appelle Sébastien, je fais de la musique sous le pseudo Nazca. Je fais de la musique depuis 20 ans, je pense. Je le définirais comme, je crois que le terme générique c'est Electronica, mais là-dedans on peut mettre énormément de choses. C'est de la musique électronique assez douce, mais quand même avec des influences de techno, que je qualifierais de colorée, planante, mais qui se veut quand même dansante, quand même du kick. Plutôt électro, pop, house. J'ai un peu des influences urbaines. C'est un peu une globalité. J'aime bien être un peu généraliste, que ça puisse faire plaisir à plusieurs publics différents. On pourrait appeler ça de la techno-mélodique. C'est très inspiré de la techno allemande, globalement, avec des gros lits de basse. J'ai du mal, moi, à mettre une étiquette, en fait, aux morceaux, et surtout de définir mes propres morceaux. Je sais pas, peut-être deep house techno, un peu minimal. Minimal, mélodique, ouais, c'est... C'est... Bon, faut demander aux autres personnes qui nous ont écoutés ce qu'ils en pensent. Pour kiffer, surtout, et pour, j'espère... Faire kiffer les autres. Il est important parce que c'est cool de pouvoir jouer comme ça dans des conditions pro sur une grande scène. Ça sera l'aboutissement de pas mal d'années de composition et de travail avec des collaborations d'artistes. C'est une belle opportunité. C'est déjà bien de jouer sur une belle scène comme ça. C'est quand même vraiment sympa de faire des lives comme ça de temps en temps. Je ne vous donnerai pas l'ordre d'arrivée. Je vous dirai simplement que le lauréat est MMH. Merci. Je tiens vraiment à vous remercier tout le monde. C'était assez fort de jouer et c'était vraiment intense. Et vous avez été un très beau public ce soir. Et puis bravo à mes camarades. C'est vraiment des belles rencontres. Et vraiment, on a passé un bon moment. Merci. Voilà. Et on félicite MMH pour la victoire et surtout n'hésitez pas à suivre tous ces jeunes talents sur leurs réseaux sociaux. Et d'ici là, nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau JT. À bientôt !